I tell us up. Hey. Si tu es revenu chez moi, en revenant donc, on ne fait que m'envoyer les vidéos. J'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Incroyable. Ah! Depuis aujourd'hui, j'étais dans les transports. On ne fait que m'envoyer la vidéo. On ne fait que m'envoyer les vidéos. Ouais. Incroyable, mais vrai. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah! Tu dis que c'est quel genre d'éclairage? C'est l'éclairage des vraies maisons. Les vrais appartements, on ne met pas les gros éclairages. Aïe! Incroyable. Ce que j'ai vu à la Cannes 2022. Ah. 25 mois de loyer impayé. 25 mois de loyer impayé. Pourquoi? Jusqu'à on t'expulse. La honte. Elle n'a plus honte. Malène, vous, tu n'as plus honte. Pourquoi on l'expulse comme ça? Je viens de voir la vidéo, je n'en reviens pas. Aïe! Aïe! Manu, Manu, qu'est-ce que je vais chercher? Aïe! Il faut qu'elle nous explique. Aïe, je suis dépassé, hein. Je suis dépassé, hein. Je viens de voir la vidéo, j'ai pas compris. Hein? Des personnes qui se sont... C'est-à-dire, je ne sais pas. À Tarzam, expulsé. Expulsé, 25 mois de loyer, hein? Anna, quand elle m'avait porté ici, elle avait fait la vidéo, je cherchais la vidéo là. Aïe, et comment elle peut rester dans une maison, elle sait bien qu'elle est surveillée par le service d'IRDOC. Des mois d'impayés. 2 ans. Elle a d'abord quitté son mariage. Pourquoi? J'avais vu, elle s'était mariée ici. Elle s'est mariée. J'ai aimé ce mariage. J'ai dit, ah. Elle s'est mariée. Après, elle quitte le mariage pour aller au Cameroun. J'ai dit, ah. Comme les Camerounaises aiment bien pointer avec les Camerounais, peut-être elle a déjà eu un Jumba là-bas. Malolo. Et maintenant, on t'expulse pourquoi? Je suis dépassé, hein? Je suis dépassé. Pourquoi on t'expulse? Tu ne pouvais pas prendre un appartement de 50 000? Hein? Hein?
Oh. Et je n'en reviens pas. Un temps, elle disait qu'elle est la belle-fille du président. La belle-fille du président de la Guinée. Et 25 mois de loyer impayé. Je n'en reviens pas. 25 mois. Donc, près de 2 ans. Hein? Comment une femme qui porte les sacs Louis Vuitton et Naba Balenciaga, Naba Zazaza. Regarde ça. C'est quelle honte comme ça là. Décrochez-vous. On n'est pas là pour rigoler, Mboutou. Sortez de là, sinon on casse la porte aussi et vous sortez. C'est quoi? Tu as oublié tout ce que tu fais aux gens? On n'a Pourquoi pas tu... le lien, vous n'habitez pas ici. Elle ne parle pas fort aujourd'hui. Je n'en reviens pas. Pourquoi elle est partie de son foyer? Elle habitait bien ici en France. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne comprends pas. L'argent qu'elle avait gagné à la CATV. Vous avez donc vu la fin de cette femme. Ceux qui sont Camerounais connaissent cette femme, Malène Mvoutou. Maman, c'est ta femme comme ça. Les filles travaillent, le piment, même.
même si tu es belle comment, si tu n'assures pas tes arrières, tu n'auras plus aucun client du piment. Un moment, elle est à l'heure actuelle, elle est même mariée à un blanc. Elle est partie en France. Elle épouse un blanc. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait encore au Cameroun à se retrouver à ce niveau-ci. Elle est même sortie avec le fils du président guinéen parce qu'elle est partie rester en Guinée équatoriale. Elle vivait avec lui maritalement. Hein. Ce n'est pas que c'était son show, ce n'est pas que. Ils vivaient dans la même maison. Ils s'étaient séparés. Elle était sortie avec les bagages de 200 000 euros, comme elle-même disait. Elle nous présentait toujours les sacs Hermès. Comment sa fille porte déjà le Chanel à 15 ans. Comment. Aïe, Bandé! Et elle louait la maison là à 300 000 francs le mois. Pourquoi elle prend une maison de 300 000? Le loyer. Les femmes, soyons intelligentes. Je parle toujours ici sur la chaîne-ci. Que soyons intelligentes, soyons intelligentes. Ma soeur, tu peux prendre la maison de 300 000. Tu travailles où? Hein? C'est quelle honte que tu es. Toi-même, tu es parti chercher la honte comme ça là. Eh, ma soeur, moi, je ne vais pas te faire ce que tu m'avais fait à la canne. Non. Parce que si je te rends ce que tu m'as fait à la canne, tu vas trop souffrir. Je ne peux pas te rendre ce que tu m'as fait à la canne. Eh, Malène, je n'ai pas le même dit. Ou qu'on y a 300 000. Est-ce que tu peux payer une maison à 300 000? Et c'est toi qui vas à l'eau, il tourne. C'est toi qui vas bien t'habiller. Tu ne peux pas. Étant donné que tu ne travailles pas. C'est quoi comme ça? Je suis dépassée. Elle ne vit pas en France, pourquoi? Tu t'es mariée ici, j'avais vu le mariage. Le mariage était beau. Qu'est-ce que tu as quitté ton foyer pour aller encore au Cameroun où tu as toujours vécu? Dieu bien aimé, non, oui. Est-ce que tu avais un show au Cameroun que tu peux louer une maison de 300 000? Si tu vis au-dessus de tes moyens, c'est quoi comme ça là que tu es affiché dans toutes les pages? On m'a envoyé, plus de 100 personnes m'envoient la vidéo que voilà ta soeur. Et à Tarzan. C'est toi qui as toujours fait les grandes choses. Tu étais directrice à la CATV. Tu étais la belle fille du président de la Guinée. Tu n'avais pas gardé un peu d'argent? Tu devais même être présidente de la FECAFOOT. Tu n'avais pas fait un peu de réserve? Aïe. Hey. Ouais. C'est quoi comme ça là? C'est dur, hein? Aïe, Mbandé, à Tarzam. Est-ce que les Équateurs sont la présidence de la Guinée? Vous n'êtes pas au courant, la belle fille? Toi, tu n'as pas les petites causeries. Tu as seulement les grosses conversations comme ça, là. Aïe, Angon Boulou. C'est comment tu aimes la grande vie comme ça, là? C'est quoi? C'est quelle grande vie comme ça, là? 300 000? Donc, tu n'as même pas encore construit la maison avec tout l'argent que tu entends, j'entends souvent que tu as là. Et la maman. Je pleure ta maman. Ta maman n'aime pas les scandales. Tu ne penses jamais à ta maman quand tu fais tes choses. La maman là n'aime pas les scandales. La maman de Marlène n'aime pas le bruit. C'est quoi comme ça? Aïe! Hey! Tu peux prendre une personne, une maison de 300 000. Que tu vas payer ça comment? Je croyais que tu avais un vrai show là-bas au pays, non? Donc ton piment même là, à Yombandé. La carte qui a l'argent au Cameroun. Donc tu n'es même pas dans les réseaux. Comment on peut te sortir pour une maison de 300 000? Donc ton haricot sauvage est même déjà que ça pique les gens. Quelqu'un ne peut plus manger ton piment. 2 ans, tu fais quoi 2 ans au Cameroun? Ton mari est ici, il chôme. Je suis sûr qu'il a déjà les champignons dans l'appareil. Tu viens laisser ton mari, pourquoi? Quand tu as fait ton mariage, là, tu étais belle dans ton mariage. Tu as refusé le blanc là, pourquoi? C'est quoi? Maintenant, ce que tu as mis toi-même sur toi là, qui va enlever ça? Qui va t'enlever ça à Malène? Qui va t'enlever ça? Est-ce que tu avais besoin de faire de la surenchère dans ta vie?
Tu n'es pas fatigué des scandales? Aïe! On part de chercher sous le lit qui a quel problème? Hey! Oi! À Tarzam! Aïe, on bandé! Aïe, on bandé! C'est quoi? Aïe! Je suis choqué, hein? Je suis choqué. Je ne sais pas pourquoi tu veux à tout prix montrer que tout va bien. Tu peux louer les maisons. Tu pouvais aller rester dans la famille. Est-ce qu'il y a une honte? Quand moi j'avais. Vous voyez là où moi j'ai dit que je veux vous dépasser. Moi je ne fais pas ce qui n'est pas à mon niveau. Je n'ai pas loué la maison pour qu'on aille m'expulser. L'argent que tu dois là, tu pouvais faire ça, les 300 000 là. Tu es à Kondjo là et tu manges les soya, le porc braisé, le porc. Mais tu es bien au Cameroun avec toi. Hein? C'est quoi? Tu peux te mettre dans la vie de Nathalie quoi? Est-ce que tu as le niveau de Nathalie quoi? Hein? Comment on va faire pour payer les 225 loyers impayés là? Hein? On va faire comment pour payer ça maintenant? C'est beaucoup d'argent. Ayombande, 300 000 francs. Ayombande. Aïe. Atarzam. Est-ce que la Guinée est au courant, la Guinée? La Guinée équatoriale. Aïe. La Guinée équatoriale, est-ce qu'elle est au courant? J'essaie d'appeler la présidence. À sa pouvoir. Allô, mi fort copieur. C'est la présidence de El Guinée. La présidence, elle est où? À Tarzam, votre belle-fille, dans les Sandras. Je ne connais pas parler l'espagnol. Pour la moneda, il soube. Je veux parler. Il n'y a personne dans le cabinet ou dans le WC de la présidence de la Guinée. Hein? À Tarzam, la belle-fille du président est mouillée. Ayobande, aïe. Que j'appelle la feca foot pour que mieux. Aïe, ayobande, aïe. Dans tous les bosses du Cameroun là, elle n'a pas un numéro. Excusez-moi, aïe. J'appelle la feca foot. Pour favor, mais qui me mique, que ferro? Aïe! Allô? C'est la feca foot. Est-ce que je peux parler au président? Il ne me connaît pas comment. Quand il y a des problèmes comme ça, il me connaît. C'est moi, Aline Zomo. Je veux parler au président de la feca foot. Permettez-moi de me permettre de lui expliquer quelque chose. Il est occupé. Le vice-président, l'ancienne candidate que vous avez candidatée là-bas à la feca foot est dans des très gros draps. Les draps roses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle n'était pas payée. 25 mois de loyer impayé sans. Seulement à manger les soya au Carrefour Bastos. Aller manger les oreilles du porc à Eligefa. Manger la langue du porc à Eligbelibi. Au lieu de payer le loyer, Ayombande. Il n'y a personne pour me répondre par rapport à l'heure. Oui, 22h46. Aïe. Ayombande. L'argent que tu partais manger les oreilles du porc à Eligbelibi, c'était l'argent du loyer. Aïe! 25 mois de loyer impayé fois 300 000, mais ça donne le tournis. Hein? On va payer ça comment? Donc, on va entrer dans les litiges. On va se permettre d'entrer dans les litiges. Aïe, on bande. Et c'est l'embaye. Pour que mieux, pour que
Caramba, Carambita, eh, Carambito, eh, Malolo, eh, Atarzam. Atarzam, c'est quelle dette comme ça, 300 000 fois 25 mois de loyer. Ayombade, ayombade. Je viens d'arriver de mon voyage. Aïe. C'est-à-dire, les gens ont déjà atomisé mon téléphone avec la vidéo. Je demande, il y a quoi? Il y a encore quoi? Au Cameroun. Tu peux louer l'appartement alors que tu as un appartement. C'était même un château. Tu as un château ici à Nantes. Hein? Comment? Hein? Aïe. Et dans la villa, nous constatons avec effraction que tu n'avais même pas de lumière. Si maintenant un scarabée vient te piquer les fesses, tu peux gérer ça. Comment tu peux vivre dans l'appartement sans lumière? Pourquoi tu as même choisi même d'aller même encore au pays? Eh? Ayombade. Hein? Ouais! C'est quelle nouvelle comme ça qui me paralyse l'estomac comme ça là? Mes cocotiers, mes caramba, mes zupita. Aïe! Oui! Aïe, on bande. Atarzam! Si le scorpion maintenant va te piquer les fesses, tu vas rester dans un appartement, une villa. Il n'y a pas la lumière. Où sont tous les joueurs qui sont montés sur toi? C'est l'ancienne copine, une escorte girl des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Où, dont les joueurs aussi ne payent pas. Donc les joueurs sont comme ça, ils ont bandé, ils pointent les femmes, ils ne donnent pas l'argent. Aïe, aïe. Et... Quand elles sortaient souvent la collection de sacs ici, ils ont bandé, j'ai dit, ah. Comment ça tu peux dire que ça arrive? Est-ce que ça, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que c'est comme toi et moi? Vous oubliez même les... Vous faites comme si vous oubliez même les choses qu'elle faisait. Est-ce qu'elle est ordinaire? Hein? Ayombande, est-ce qu'elle est ordinaire comme toi et moi? Toujours à manger les oreilles du porc à Elie Libi, au lieu d'aller payer le loyer, manger la tête du porc à Elie Fa, au lieu d'aller payer le loyer. Eh, Ayombande. Le professeur va se... Voilà les trucs. Le professeur va se retourner dans sa tombe. Le professeur lui avait donné l'argent. Est-ce que c'est une fille qui peut souffrir comme les nous, comme ça, là? Hein? Les sacs Chanel, les Chanel, il fallait voir les sacs Chanel, les gens Dior, les Dior. Ayombande. Elle a oublié sa catégorie. Est-ce qu'elle avait nous ici en bas? Motawe Dié, Ayombande. Motewidji va. Qu'est-ce qui n'a pas marché à Tarzam Karamba? Karamba et Karambita et Korkotior. Izupita. Elle a mal géré son argent. Elle a donné l'argent à qui? Au gardien de but. Merde. Namwa Samba, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire que j'entends comme ça là? C'est quelle histoire? 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 C'est quelle histoire, c'est quelle histoire. Hey, le loyer payé. Hey, est-ce qu'elle est comme moi, Ayombande? Motawedie, Ayombande. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je suis énervée. Je suis énervée. Motawedie, Ayombande, Motawedie. Ayombande, quoi? Ouais. Je n'ai même plus.
plus la prise. Je n'ai plus la prise dans la maison. Mon tawé dit. Je ne suis pas. Mon sac à main où? Mon tawé dit. C'est quelle histoire? Elle est mariée à un blanc. La maison est ici. À Nantes. Un château. Tu quittes le château pour aller attendre qui au Cameroun? C'était quel homme qui fait en sorte qu'elle quitte son foyer conjugal pour aller attendre un petit... Motawetie, Ayombande. Motawetie, Ayombande. C'est quoi? Motawetie, c'est quoi? C'est quoi? Nikane, sonde, pala lopana, motaweti. C'est quoi, motaweti? C'est quoi? Tu peux te comporter comme ça, alors que toi-même tu connais tous les dégâts que tu as déjà fait dans ta vie. Pourquoi ils n'ont pas de maison familiale? L'enfant qui a 14 ans ou 13 ans là, à qui elle achète les sacs de Louis Vuitton, elle avait dit que l'enfant là a l'appartement, non? Qu'elle a un triplex. Hein? Le triplex c'est où? Quand on te met derrière dehors comme si tu as la coulampatée, c'est quoi? Moutaouedie, à coulampatée, on la chasse comme si elle a la coulampatée. Hein? Moutaouedie, Ayombande. À Tarzam. Elle arrive au Cameroun, au lieu de payer le loyer, elle mange les oreilles du porc à Eligme Libi. Elle mange les bidous à Eligme Vamba. L'argent du loyer. Est-ce qu'on s'amuse avec une influenceuse d'État professionnelle comme elle, que tous les dossiers de la République, elle maîtrise? Est-ce que tu peux jouer? Tu peux jouer avec ton avenir? Mais elle n'a même pas fait le constat que c'est la plus grande influenceuse. Motawé dit, Ayombade. Hein? Non, j'ai mal, hein. Si tu tombes, je tombe aussi, Anouamanana. Si tu tombes, je tombe aussi, Anouamanana. Anouamanana. Merde. Motawé Dié. Et c'est l'imba Dibukimbe, hein? Obukimene. Hein? Motawé Dié. Mais une femme intelligente comme ça là, hein? Quand elle nous sort souvent les théories de Jupiter là et de Samson, mais toi-même tu sens que la fille a été à l'école. Quand elle parle de Christophe Colomb et les dérivés de Einstein, toi-même tu sens que la fille a fréquenté. Et c'est quoi? Motawé Dié. Odibou qui mène un Motawé Dié. Aïe, oye, et c'est le bail. Ododi. Eboma. Eboma. Obou qui pendaye. Ouais, maloko. Ododi, isokoloko. Wende isokoloko. Wende na isokoloko. Ouais. Elle a dit que la maison qui est au Cameroun, c'est pas pour toi. Pour moi. Moi je pars au Cameroun. On ne peut pas m'expulser. Motawé dit, personne ne peut m'expulser. Personne ne peut m'expulser. C'est là où moi je dépasse
certaines influenceuses. Moi, le cas de la maison ne peut pas m'arriver. J'ai la maison au Cameroun, Motawedie. Je ne peux jamais être expulsée au Cameroun. Qui va m'expulser au Cameroun? Motawedie. Et ce bobé, Motawedi, qui peut m'expulser au Cameroun? Est-ce que je peux louer au Cameroun? Je ne peux pas louer. Moi, j'avais vu le mal loin. Comment tu peux aller louer? Tu ne mets même pas la lumière. Si un scorpion vient te pénétrer par derrière, tu peux gérer la blessure d'un scorpion, la morsure d'un scorpion. Pourquoi même se donner tant de mal? La maison de quelle sœur? Moi, je vais aller arranger la maison de ma sœur. Vous n'avez pas vu quand je faisais les travaux? Je pars arranger la maison de ma sœur que j'ai peur d'elle. Motawedie, j'ai dit que moi, on ne peut pas m'expulser au Cameroun. Autant même aller rester chez sa sœur, au lieu d'aller louer la maison des gens. On va même dire que c'est la maison de ma soeur. Je reste dans la maison de ma soeur, elle ne peut jamais m'expulser. Chez nous, on ne fait pas les choses comme ça. Motawedi, vous m'avez souvent vu dans la maison de ma soeur, non? Je dors, je pète, je rôte. Personne ne peut me dire de sortir. C'est ma soeur. Au lieu d'aller prendre l'appartement chez les gens, vous avez entendu comment la femme a parlé sale et mal? La femme a commencé à verser la gueule comme si... Ça manquait de tact. L'école qu'elle avait fait où? Motawedie, quand je suis au Cameroun, dans la maison de ma soeur, vous avez entendu qu'elle va m'expulser? Elle peut m'expulser. Quand tu n'as pas le niveau de louer, ne loue pas la maison. Au lieu d'aller manger les oreilles du porc, elle ne va payer la maison d'autrui. Ne tombe pas dans la honte. Comme elle connaît trop ma vie, que je suis dans la maison de ma soeur. Donc ma petite soeur, elle est là, la maison, moi je ne peux pas avoir. Donc dans la maison de ma soeur qu'elle connaît là, personne ne peut m'expulser. Personne ne peut m'expulser. Hein? Motawedie, Joachim, fais-nous la quête là. Moi je peux enquêter, je donne même 100 euros. 100 euros c'est combien au Cameroun? Moi, on fait la quête, je donne 100 euros. Parce que moi, j'étais en vacances au Luxembourg. Madame Douane, je sors du Luxembourg comme ça. Je viens de rentrer. Je peux donner 100 euros. Où est mon sac à main? Où est mon sac à main? Je cherche mon sac à main. Où est mon sac à main? Où est mon sac à main? Comment? Est-ce que c'est normal dans la normalité d'entendre des histoires incongrues, incohérentes, impossibles, inodores et sans saveur? Ce n'est pas normal. Je décide alors qu'on doit cotiser. Cotisons l'argent, je donne 100 euros. 25 mois de loyer. Hein? Moi, je suis prête à donner 100 euros. Moi, je ne fais pas les choses parce que vous êtes les influenceuses. Je ne suis pas le genre d'influenceuse qui ment. Je suis prête à donner 100 euros dans la cagnotte. Quand vous avez commencé la cagnotte, informez-moi. Je vais donner 100 euros pour ma soeur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans la normalisation. Ce n'est pas normal dans la normalisation. Hein? Moi, je suis prête à donner 100 euros, lancer la cagnotte. Joachim, je te charge de lancer la cagnotte. Je donne 100 euros pour engager. C'est pas normal. C'est pas normal. Et une autre femme lui parle, ça, les bons comme ça, là, c'est quoi? Une fille qui a quand même, elle a fait la Sorbonne. Une pauvre femme du Cameroun, parce qu'elle a un appartement, lui parle mal. Cette femme était à la Sorbonne. Hein? Elle a sorbonisé. Hein? Elle a sorbonisé. Hein?
Une pauvre femme qui a un appartement au Cameroun lui parle méchamment, c'est quoi ici? Comment? Elle a oublié tous les dossiers qu'elle traite. Bon, on va continuer le Japap demain. Demain, en pleine journée, c'est demain que ça commence. Je voulais vous dire que je suis déjà revenue chez moi. Parce que quand tu es dans les maisons des gens, ce n'est pas comme si tu es chez toi. Là, je suis dans mon appartement ici. Je fais comme je veux ici, là. Je fais comme je veux ici, là. Ici, là, je suis chez moi. Donc, demain, j'engage le dossier. Il faut que j'informe la présidence de la Guinée, la présidence de la FECAFOOT et les ex-shows. Tous les grands footballeurs qui ont mis le pied dedans. On doit les interpeller. On va interpeller tous les grands joueurs du Cameroun qui ont mis les mains. Aïe! Nous allons interpeller tous les grands joueurs qui ont mis les mains. On ne peut pas accepter l'expulsion là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal dans la normalisation qu'elle soit expulsée. Moi, je n'accepte pas l'expulsion là. Elle doit encore rentrer dans l'appartement là. Je somme cette dame de la laisser rentrer dans l'appartement. On ne peut pas expulser une grande intellectuelle comme ça là. C'est pas normal. J'ai dit que ce n'est pas normal d'expulser une intellectuelle. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment? Une intellectuelle comme ça là, c'est pas normal. Aïe, est-ce que la présidence de la République de la Guinée est au courant? Est-ce que la FECAFOOT est au courant? Tous les grands joueurs qui ont mis les mains. Aïe, Ayombadé. Allons, Badé. Et j'espère qu'ils ont épargné ce diplôme. Parce que si le diplôme, si elle n'a même plus alors ce diplôme, on est mort en guerre sur Facebook. Épargnez-lui ce diplôme. Je vais appeler la dame là demain. Est-ce que vous n'avez pas brûlé ce diplôme? C'est ce diplôme alors que la femme là ne doit pas jouer avec le diplôme. Parce que qu'est-ce qu'elle va encore venir nous montrer s'il n'y a plus ce diplôme? J'espère que la femme là qui l'a expulsée n'a pas touché ses diplômes. J'espère qu'on n'a pas touché ses diplômes. Je vous laisse. Je cherche mon sac à main. Je sais que mon sac à main est où. Je viens d'arriver. Bonne nuit. Hein.